Dans un monde qui laisse de moins en moins d'espace à la nature, où la pollution devient écrasante et étouffante, certains s'évadent et recherchent des solutions. Ils recherchent même des lieux pour agir. Mais le chemin est long et pas facile. Tiens, tiens, tiens. Mais, mon cousin Deville, que fais-tu là? Oh, j'avais envie de changer d'air. Mais je suis où? Ah, tu as pris tous ces risques pour venir dans un des plus beaux endroits de France, le parc régional du Vercors. Et vois-tu, ici tu es à la base nature, un lieu exceptionnel. Où on parle de transition énergétique, où l'on construit des éco-huttes. Mais viens voir. Base Nature Vercors, centre d'éducation populaire pour connaître la biosphère, l'initiation aux énergies renouvelables et à la transition. Transition énergétique. Tu vois, ici, on parle d'éoliennes, de solaire, de biomasse, mais aussi d'éco-construction. Tiens, regarde la preuve. Oh! C'est quoi? C'est comme ta coquille que tu as sur ton dos. Quelque chose de très très confortable. Allez, rampe. J'arrive, je veux voir. Bien donc. Oh, c'est quoi? Et c'est une éco-hutte. Il y en a déjà 3 comme celle-ci. Tu vois, elle est faite de bois et l'isolation est en laine de mouton. Enfin, tout vient du coin. Dis donc, il fait chaud en hiver et frais en été. Mais c'est vraiment extraordinaire. Et regarde celle-ci. Oh, j'aime la couleur. Oui, c'est de la terre du coin, du Royan. Et elle est grande. Très grande. Et on est très bien à l'intérieur. Oh, mais c'est vraiment extraordinaire, hein? Oui. Oh oui! Mais qui c'est qui fait ça? Ah, pour faire quelque chose d'aussi beau et d'aussi grand, ce sont des jeunes qui viennent en chantiers internationaux. Mais je préfère te faire voir le livre qu'il y a sur la table. Oh oui, vas-y, fais voir. Allez, ouvre, aide-moi. Oh, pousse un peu. Allez. Raconte-moi tout. Ah bah, d'abord, il faut d'abord l'ouvrir. Oh. Voilà. C'est qui tous ces jeunes? Eh bien, ils viennent du monde entier et ils sont là pour apprendre. Ils construisent avec leurs mains et ils apprennent aussi la maçonnerie, enfin plein de petits bricolages. En tout cas, ils apprennent aussi le vivre ensemble. On s'amuse bien. Ah, ça se voit. Et ils ont l'air de vraiment agir. Et ils agissent à leur façon et les constructions sont solides, je te l'assure. Mais c'est vraiment extraordinaire. Oui, et tu vois, déjà des classes sont venues. Et on espère en avoir beaucoup. Car comme ça, si on a encore 3 éco-huttes en plus, eh bien, nous pourrons accueillir des écoles. Mais c'est une bonne idée, ça, de les faire venir. Et oui, avec 5 éco-huttes, eh bien, les écoles pourront venir et elles pourront s'initier à leur tour à la transition énergétique. Alors, grâce à vous, en faisant un don, vous participerez aussi à la réalisation de ce lieu pour un autre monde. Ah, il faut toutes les énergies pour fabriquer un monde, surtout le nouveau monde. Allez, on compte sur vous. Merci, généreux donateur. Merci. À très bientôt.